attention à ta robe, lui, c'est talon. Émile! Hein? Donne un peu de vin à ta voisine. Voilà, voilà. Allez, Primo. Non, je vous ai déjà dit non trois fois. Et un verre pour faire plaisir à la petite. Ginette, dis-lui, quoi. C'est vrai, il ne doit pas boire, ça lui fait mal. C'est pas que ça me fait mal, non, t'exagères. Ça me gêne dans mon travail. Son travail. Un drôle de boulot, son travail. Excusez-moi. Tout le monde ne peut pas être flic, mon petit peu. Si tout le monde était flic, la société serait plus fréquentable. Et tout le monde crèverait de faim, voilà. Il est mauvais propos quand il s'y met une vraie gale. Jeanne, une autre. Pensez à mon sang, quoi. Ah, son sang, boire qui est cuit, qui est du sang, ici. Donne-moi ça, tiens. Tu ne sais pas déboucher le Bordeaux, toi. Il n'y a pas que moi qui ai du sang, mais il n'y a que moi qui le vende. Puis pour qu'on me l'achète, il faut qu'il soit sain. Si je buvais tout ce qui me passe par la tête, mon sang serait vite avarié. En somme, dans ton genre, t'es un cumulard. Éclusier, donneur de sang, ça fait deux métiers pour un seul homme. Donneur de sang, c'est pas un métier. C'est un honneur. Oh. Moi, j'ai le sang très pur. Si vous voyez, il est d'un rouge, eh bien, je ne le vendrai pas pour un empire. Si on vous en donnait 400 francs du litre, comme à lui, vous vous laisseriez faire comme nous tous. Pas vrai? Ou moi, j'aimerais pas savoir qu'il y a des gens qui se promènent avec mon sang dans les veines. C'est pas propre. Ça me dégoûterait pas. Du sang, c'est toujours du sang, ni plus ni moins. Toi, ma petite, tu boirais dans n'importe quel verre, alors? Moi, je ne vendrais pas mon sang. Qu'est-ce que vous voulez? C'est drôle, mais j'y tiens, mon sang. Oh, je vous en prie, changez de conversation. C'est pas des propos de première communion. Non. Lucette, encore un peu de fromage. Non, tu n'es plus faim. Papa, je voudrais du gâteau. Allez, à vous l'honneur. Voilà. Eh ben, qu'est-ce qu'il a l'autre? Regardez-moi ça. Manolo, mon petit Manolo, n'aie pas peur. Ne vous occupez pas de lui, vous autres, ne le regardez pas. Moi, dans mon métier, c'est ce que j'appelle avoir les foies. Oh, tais-toi, tu penses comme il a les foies. Un gosse qui est resté deux ans à Barcelone, il en a vu d'autres. Ben, qu'est-ce qu'il a s'il a pas les foies? C'est pas la peur, c'est les souvenirs. Mon petit Manolo, reste près de moi, ben, on te fera pas de mal. Ah, quand même, quelle drôle d'idée. Quoi, quelle drôle d'idée? Ben, d'avoir adopté ce gosse-là. D'où qui vient, d'où qui sort, personne n'en sait rien. Je ne sais qu'une chose, c'est que tout le monde est mort dans sa famille. Ouf. C'est un étranger, quoi. C'est pas un étranger. C'est un orphelin. Merci, madame. Jeanne, allez servir. Eh bien, madame Ginette, dis gâteau. Voilà. Tiens, Lucette, monte ça à madame Raymonde. Cette pauvre fille doit s'ennuyer toute seule là-haut. Dis donc, toi, c'est un os. Tiens, pour toi. T'as pensé à moi comme ça, toute seule, dans ta belle robe? Allez, batte la môme. Oh, Salah. Qu'est-ce qui t'a donné l'idée de monter ce gâteau? Moi? Menteuse. C'est vrai, monsieur Edmond. Tu n'as pas honte de mentir un jour pareil? Il a fallu gâter sa journée, non? Laisse. Pourquoi n'en as-tu pas monté pour moi, hein? Il n'y en avait plus. Il n'y avait qu'à faire ça. J'aurais eu ma part. Seulement, avant, ils ne peuvent pas me sentir. Et ils n'auront jamais une occasion de me faire sentir qu'ils ne peuvent pas me sentir. Ça ne fait rien. Tu les remercieras quand même. Oh, dis pas cela là. Tu fatigues ton monde. D'abord, t'aimes pas les gâteaux. Mais celui-là, je l'aurais aimé. Eh ben, aime-le et fous-nous la paix. Si encore c'était de la tarte et du savoie. Hein, que je t'embrasse, toi. Chablot touchant. Respecte la religion. Tu remercieras tout le monde en bas, hein. Madame le couvreur, surtout pas. Prends l'article en main. En somme, tu as deux hommes en toi. L'éclusier et le donneur de sang. Alors, l'éclusier prendrait bien une molle muffée, mais le donneur empêche l'éclusier de lever le cou. Hey, vous avez de la chance, madame Ginette, d'avoir deux maris en l'un. Ouais, eh ben, au lit, c'est différent, il n'y a plus personne. Oh, qu'est-ce qu'elle raconte? Eh ben, je dis qu'au lit, il y a des moments où je suis comme ça. Hey, je vous consolerai. Oh, c'est parti. Et bon, venez tranquille avec nous. C'est pas de refus. Je voulais vous remercier pour le gâteau. Il était bon. Un peu bourratif. À une première communion, on ne peut pas manger des religieuses, hein. Ça serait pas convenable. Allez voir.